Céline Dion serait de nouveau prête à pouponner selon sa biographe Elisabeth Reynaud. Interrogée sur le plateau de TPMP People, l'amie et confidente de Céline a accepté d'en dire plus sur ce nouveau projet un peu fou de l'artiste. Céline Dion, bientôt de nouveau maman? C'est ce qu'a révélé Elisabeth Reynaud, sa biographe, dans l'émission TPMP People le 21 février 2020. Interrogée par Mathieu Delormeau, elle balance une bombe en direct sur le plateau de C8 en déclarant que l'interprète du titre My Heart Will Go On aimerait devenir mère pour la quatrième fois. Elle veut adopter, elle rêve d'adopter une petite fille. Maman de René Charles, 18 ans, et des jumeaux Nelson et Eddie, 9 ans, Céline souhaiterait ainsi agrandir sa famille. Elisabeth explique son choix, il ne faut pas oublier qu'elle a perdu tous les gens qu'elle adorait, sa petite nièce, son père, sa mère, son frère, etc. Mais il lui reste ses trésors sur terre, ses trois fils. Mais alors que René Charles âgé de 19 ans commence à prendre son indépendance et à s'envoler, loin du nid familial, Céline serait prête à commencer les démarches pour l'adoption d'un nouvel enfant. Très troublée par cette nouvelle, l'animateur tente d'en savoir plus et demande, on sait dans quel pays? On sait où? Ce à quoi Elisabeth répond, pour l'instant, non c'est encore au stade de projet. La biographe de la star a également confirmé que l'artiste avait conservé du sperme de René Angeline chez elle. Il y a évidemment du sperme congelé de René parce que c'est ce qu'on fait quand on a un cancer, mais Céline a 51 ans, je ne pense pas qu'elle en fera grand chose. Une des chroniqueuses ajoute ensuite, il peut servir à quelqu'un d'autre si elle donne l'autorisation. Très cash, Elisabeth répond alors du tac au tac. Non, non elle ne voudra jamais. Pas question pour Céline qu'on touche à l'homme de sa vie, René qui a partagé sa vie de 1981 à 2016. Alors, Céline concrétisera-t-elle bientôt ce beau projet? On l'espère,